Welcome. Welcome. Allez, je Welcome. coupe l'audio de mon retour sur Twitch. Et on va démarrer ce petit challenge. Kerbal Space Program. Kerbal Space Challenge. Donc, numéro 5. Objectif Titan. Et Saturne. Donc je vais démarrer le jeu. Et je ne l'ai pas encore relancé. J'ai juste fait la configuration, rien de plus. Et puis voilà, donc ça va démarrer dans quelques minutes. Alors, est-ce que je pourrais pas partager ça sur le Box Science? Parce que pourquoi pas? À la limite, partager, copier dans le presse-papier le lien. Est-ce que ça va marcher? Salut Rémi. Tu arrives pile à temps, ouais, je vais démarrer le Kerbal pour la première fois depuis plusieurs semaines. Si j'exclus le paramétrage des configs de clavier que j'ai refait hier. Alors, faudrait que je me mette un peu plus de place pour mettre l'affichage du chat. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Faut que je configure un peu mon bazar. C'était ma plus longue pause du jeu. Ouais, ça fait un bon moment que j'y ai pas joué. Ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Tac tac tac. Bon, et ben c'est parti. Donc, lancement du jeu. Est-ce que tu as la musique à un niveau correct et ma voix à un niveau correct? Ouais, tout est ok, impeccable. Je démarre le jeu. Voilà, Boeing s'est mis en pause. Donc c'est le jeu en mode de base, c'est la version 1.8.1 avec les deux DLC Breaking Ground et Making History. Il y a le pack de mode obligatoire. Qui était installé pour le challenge, qui fournit dans un pack, donc il y a plusieurs modes hein, dessus. Notamment, c'est du KSRS-16, donc c'est le système solaire à l'échelle de Kerbin. J'ai également rajouté TwixScale et Kerbal Engineer Redux, qui sont autorisés, et c'est tout. L'objectif, c'est de faire une version maison de la mission Cassini-Huygens, mais en remplaçant Huygens par la mission Dragonfly qui va partir dans quelques années. Donc un petit gros drone qui va aller faire de l'hélicoptère sur Titan. Mais j'ai choisi donc la catégorie DaVinci et donc je vais faire ça à ma sauce. Donc j'ai pris le méga pack pour la qualité visuelle, donc j'espère que ce sera pas trop lourd. 2 spectateurs, dont moi. C'est-à-dire 1 pour l'instant.
Alors, déjà, j'espère que le jeu va démarrer, parce que là, pour l'instant, l'élimination des débris, mais... j'ai pas grand-chose d'autre. Oui, entre guillemets, gratte le SSD. Ah. Ah oui, alors, ok. Bon, un petit bug. Réglage. Audio. Musique. On coupe la musique parce que la musique. J'ai coupé la musique dans le jeu parce que je balance la bande audio que j'ai. Je trouve plus le mot égalisé en volume. Alors, ben, comment c'est parti? Donc, si on fait charger sauvegarde, il n'y a rien. L'install est entièrement neuve. Nouvelle partie, donc je vais l'appeler KSC5 Cassini avec un K Cassini, donc Herbal quand même. Cassini Titan en mode donc bac à sable avec le petit drapeau qui va bien. Difficulté. Alors, on est autorisé d'enlever le réseau de communication pour faciliter les choses. Inclure les vaisseaux de base, non, ça m'intéresse pas. Inclure les autres sites de lancement, ouais. Relance, apparition, on s'en fiche. Donc réapparition, bon, je vais l'enlever la réapparition. Chargement rapide, relance du. Chaleur de rentrée 100, 100. Expérience des Kerbal. Oui, pourquoi pas. Immédiatement. Limite de pression. De G du Kerbal. Toutes les améliorations appliquées en mode bac à sable. Tous les modes SAS sur toutes les sondes. Ok. Ben c'est parti. C'est parti, c'est parti. 5 spectateurs, bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue au centre spatial. Alors, merci, j'ai compris. Mais il fait nuit. Oh, il fait nuit. Alors, pour ceux qui connaisseraient pas Kerbal, on va. C'est un jeu de simulation spatiale. On va aller jusqu'au lever du soleil. Hop. Ah, les textures sont sympas. Ah, là, on voit le centre spatial, c'est déjà un petit peu plus propre. Ok. Alors, où sommes-nous? Donc sur Terre. Voilà la Terre. Et le centre spatial a été mis. Je ne sais même pas où il est. Doit être la Floride, à mon avis. Ouais, c'est la Floride. Alors, le système. Donc, la Terre, la Lune. Ah, par rapport à l'ancienne version du mode, le plan de l'écliptique a été remis à plat. Ah, ça, c'est appréciable. Faut admettre que c'était un peu agaçant quoi. D'avoir tout le système de traviole là, c'était un peu pénible. Ok. Donc on a notre bonne vieille planète Terre, le petit point bleu pâle. Nous avons ici Vénus. Quasiment blanche, recouverte de nuages. Nous avons à l'intérieur Mercure. Avec, semble-t-il, une véritable cartographie de sa surface pour elle aussi. Allons de l'autre côté en direction de Mars.
Mars, planète rouge. Ouais, une petite texture sympatoche. C'est pas mal. Ensuite, on dirait qu'ils ont mis Cérès. Il y a Cérès. Voilà Cérès. Je vois pas s'il y a les deux petites taches blanches de dépôt de sel. Elles sont peut-être côté nuit. On verra. Moins qu'il s'agisse de ça là, mais je pense pas. Bon. On va aller un petit tour du côté de Jupiter. Ah, Jupiter. Il y a un des satellites qui fait une éclipse. Visiblement de Io. Io, la petite lune volcanique. On a également Europe. Ah, les textures, elles sont classe. Très très sympa. Callisto. C'est quoi le mode pour avoir le même sensor que ça? C'est KSRSS. Je pourrais éventuellement filer le lien dans le. Bah limite dans le descriptif de la du live normalement, j'ai mis le lien vers le. Est-ce que j'ai mis le live vers le lien vers le site du KS Special Land, je suis pas sûr. Je vais le mettre dans le chat, ce sera plus simple. Alors. Copier. Je crois pas qu'il soit dans ces cannes. Je crois pas qu'il soit dedans. Donc Jupiter, ok. On va laisser Saturne de côté pour aller voir Uranus. Avec Titania. Ok. Neptune qui se trouve ici. Avec son satellite Triton qui a la particularité de tourner dans le sens rétrograde hein, par rapport aux autres. Pluton. Pluton Charon. Ah puis on a des belles textures là en plus. Là. Merci la sonde New Horizon d'avoir fourni ces magnifiques photos. Et enfin, on va aller voir notre destination, Saturne. Voilà Saturne avec ses grands anneaux. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, par contre, ouais, vu de l'arrière, il brille pas. Bon, tout un souci d'affichage, rien de bien méchant. Saturne avec tout son petit cheptel de satellites. Mimas. Est-ce que Mimas va faire un petit peu si on voit le cratère de l'étoile de la mort? Non, il doit être dans le côté nuit. Mais l'objectif, c'est Titan qui se trouve ici. Voilà. Voilà, voilà. Il faut envoyer une sonde ici. On va revenir sur la Terre avec la Lune. Donc ils ont
ont mis la bonne inclinaison de la Lune par rapport à la Terre. Mais du coup, elle est très inclinée par rapport à l'écliptique. Mais bon, au moins l'écliptique est à plat, c'est quand même beaucoup plus facile pour la visualisation du système. Au centre, évidemment, le Soleil. Ben voilà, ça me paraît être quelque chose de sympathique. Alors, il va falloir que j'apprenne à faire un truc dans ce jeu, c'est faire des hélicoptères. Parce que je n'en ai jamais fait. Je n'en ai jamais fait, et donc la première chose à faire, ça va être de faire un drone de test. Drone test. Alors, pour faire un drone de test, je vais peut-être me mettre dans l'autre en fait. Drone test. Alors, les hélices, comment ça marche? Là, j'ai mon truc de contrôle. Parce que les, ça, j'ai jamais fait en fait. J'ai, tout ce qui est hélice, tout ça, ça, j'ai jamais fait. Rotor léger. Rotor léger, rotor lourd. Servomoteur rotatif, rotor standard. Alors, aérodynamique, les hélices, ça va être quelque part là-dedans, je pense. Lame de turbine type B, type A, lame de turbine soufflante, lame pour hélicoptère, ouais. Ça c'est pour faire des soufflantes, mais est-ce qu'on peut faire des... Ah mais c'est tout petit ça en fait. Ah j'ai un problème de bagne de touche là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué là, faut que je me réhabitue aux commandes. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. J'arrive pas à me retrouver comment on tourne la vue là-dedans. Là. Bah, en plus, la partie m'a fait refaire le. Engager, déployer, direction déploiement normal, auto-supprimer la symétrie, sens horaire ou anti-horaire, d'accord. Il éclate dans ce sens là, ça va pas marcher. J'y vais peut-être mieux comme ça. Ok. C'est ça que je voulais, c'était le moteur en dessous.
3, 4, 6, 8, 0. Ouais. Alors... Comment ça marche le rotor? Limite de RPM, on peut limiter la vitesse. Sens de rotation horaire pour les deux, ouais. Ah là, j'aurais peut-être dû faire ça. Sens anti-horaire. Parce que sinon je vais avoir du couple à mort et ça va me foutre le bazar. Ok. Sens anti-horaire. Tac. On a foutu une antenne pour communiquer. Normalement il y a une antenne intégrée mais bon, pas très performante. Rajouter une petite antenne sur le côté ou au milieu là, pourquoi pas, ça sera pas mal. Hop, de toute façon c'est vraiment juste pour tester parce que là c'est vraiment un domaine que je ne connais absolument. Là je découvre littéralement le jeu et notamment je ne sais même pas comment on fait démarrer les rotors. Alors je crois qu'il faut mettre... Il faut pas mettre ce truc là. Contrôleur KAL truc bidule. Priorité du contrôleur, position de lecture, vitesse de lecture, longueur de lecture 5 secondes, mode boucle. Peut-être dans les groupes d'action, faut que je mette les moteurs. Activer la puissance, activer la direction, question verrouillée, verrouillage, activer le moteur. Ouais. On va activer le moteur. On va rajouter quelques batteries parce que lui je crois qu'en batterie il a pas lourd. 120, ouais, 120, on va pas aller loin. Je vais rajouter un peu de batterie. Puis ils ont changé vachement les textures depuis le temps, mais que je joue plus. Bon, bah on va essayer de faire rouler ça, on va voir si ça démarre déjà, ce serait pas mal. 6 spectateurs. Pouette, salut Edendal. Pouette, pouette. Je suis en train d'apprendre à faire des hélicoptères. Et pour l'instant, voilà. Ça ne marche pas. Modifier groupe d'action. J'ai beau faire activer étage, manifestement le rotor il veut pas démarrer. Il y a activer la puissance moteur aussi, on va essayer, il faut que ce soit ça.
Ah oui, d'accord. Bon. Ok. Ouais, faut gérer à la puissance et aux angles de pale aussi. Ouais, je pense que là, revenir au BAV plutôt. Comme any... Ouais, je me doute qu'il faut régler la puissance, le pas. Je sais même pas si on peut régler le pas des trucs là-dessus. Que je peux les... Au montage, je peux les régler, mais après en vol, je sais pas si je peux régler le pas en vol, en fait. Enfin, bref. Alors, ah, c'est là. Activer la puissance moteur. Activer la puissance moteur. Tu peux le bind, je crois. Le pas? Alors, qu'est-ce qu'il me propose là? Étendre, rétracter. Ah, parce que je peux étendre et rétracter les pales maintenant là. Activer déploiement. Alors, je vais mettre en custom 1, je vais mettre étendre. Et en custom 2, je vais mettre rétracté pour voir ce que c'est. Lancer. Joy à 0. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai même pas la commande de gaz qui s'affiche. Ça, c'est pas normal. Pourquoi il me reconnaît pas le joystick? Il me reconnaît aucun axe. Putain, il me reconnaît les boutons. Connaît les boutons mais pas la manette de gaz. Ah bon, alors on va faire espace. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah si, on peut orienter les pales alors. C'est tout ou rien. Sortir, rétracter. Bon. Rétablir à l'angle de RPM. Tu peux le gérer avec le module de contrôle dont j'ai plus le nom. Machin, ouais, le merdier que j'ai foutu derrière là, le Calmil. Déjà, je comprends pas pourquoi il vole plus mon bazar là. Ah, si, ça y est, il a démarré. Bref, alors avant, ce que je voudrais, c'est tester comment ça marche sans qu'il vole. Donc je vais mettre on va l'attacher par terre.
faut inverser le pas sur un des deux jeux de pales, sinon ça déploie à l'envers. Bah, y en a un, je l'ai mis à l'envers, ouais. Ils sont en symétrie. Alors, par contre, je vais changer les actions là. Activer la puissance moteur, je vais l'enlever. Donc en 1, c'est lame de turbine étendre rétractée. Là, je vais mettre. Activer le moteur. Activer le moteur. Et en 4, activer la puissance moteur. J'aimerais pouvoir faire des essais sans que le truc il s'envole pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours pas de commande avec mon axe de joystick, je comprends pas pourquoi. Moi j'essaye avec une lanceur normale. Donc 1 et 2, ça me change le pas des hélices. 3, ça fait rien. 4. Ah oui, mais d'accord, c'est puissant en fait le bazar là. Je m'attendais pas à ce que ça vole en fait. Revenir au HAS. Limite de RPM, on va baisser la vitesse à une 40 tours par minute pour que je vois ce qui se passe. Pour la progressivité, faut programmer une courbe avec le KL. Tac. Sur puissance, RPM, angle et tout. D'accord. Alors si là je fais que 3 par exemple, 4. Ok, ça démarre. Si je fais 3 à nouveau. Bobine sur touche un peu pénible. Ça va s'arrêter. Le rotor de gauche met les pales vers le bas. Non, non, elles sont vers le haut là. Faut les inverser. Mais il faut que je repose qu'on peut les orienter. En fait, je les ai orientés dans l'éditeur et il faut les orienter avec le bazar a priori. Quand tu inverses. Attends, on va revenir dans le. Mince! Ouais, il a du mal. Ouais, il a du mal l'ordi là. Ah, il en chie. Ah, il galère à mort là. Récupérer. Faire tout ça, je les mets au bout d'une petite perche. Bande antidérapante. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Il y a des trucs que je connais pas en plus. Dans le... Alors, on retourne au...
robotique, donc petit rotor. Ok, on va faire avec un seul rotor pour essayer au début de toute façon. On va essayer avec un rotor. Aérodynamique, les pales. Lame de R602-12. Donc ça c'est les petites. Type A, type B, R12, R25. Et là, elles sont en drapeau, les trucs par défaut, et ça doit pouvoir les mettre en... dans l'autre sens. Alors, éditeur de mode, éditeur, comment ça marche ce bazar là? Alors, si je clique là-dessus, ça, je voulais pas faire ça. Alors, contrôleur, groupe d'action, comment ça marche? Contrôleur calme machin, d'accord, donc là je peux rajouter les angles de déploiement. Lame de turbine soufflante, ça faudrait que je puisse le régler avec la manette des gaz par exemple. Idéalement, ça serait la manette des gaz du joystick qu'il faudrait que je puisse régler ça. Déjà, je vais aller vérifier si mon joystick il marche bien. Parce que j'ai un problème avec la manette de poussée là. Donc, on va foutre une capsule. On va mettre un réservoir à la con. Donc, lequel ? Et un moteur, bon, avec ça, ça va taper. Si toutefois il veut bien me l'accrocher en dessous, pourquoi il veut pas me l'accrocher dessous? Voilà. On va peut-être mettre un découpleur. Et peut-être éventuellement un parachute. Ça pourrait peut-être... Ah, oh, ils ont 11. K16. On sait jamais, ça peut toujours servir. Parachute, découpleur, 8. Test. Joystick est pas reconnu, pourquoi? Bon, j'ai trouvé pourquoi mon joystick marche pas déjà. Parce que là, j'ai reparamétré l'intégralité du jeu. Que le fichier qu'ils ont fourni, édition recopie l'ancien fichier de config, on pourra pas avoir le. Il y a un truc qui marchait pas, je sais pas quoi. Retour. Réglage. Commande. Vaisseau. Axe de tangage. Joy 03. Ah! Primaire, secondaire. Pourquoi secondaire? Roulis.
Ok, il commence déjà, je crois que c'était 18h. Assez. Ok. Ah putain, il a rien gardé dans mes réglages de Joy. Alors, faut que j'aille voir dans mes configs parce que j'avais sauvegardé la config. Bon, on va se retrouver tard. Enfin, il me semblait que c'était 18h qui démarrait à. J'avais prévu d'arrêter dans 20 minutes à peu faut que je retourne mes configs de touche. Parce que là, j'ai dû faire une merdouille. 01002. Axe des gaz primaires, c'est le 0.3. Accepté. Là, il n'y avait rien de configuré. Forcément, ça marchait moins bien. Après, dans vaisseau, c'est pareil, j'ai 0.2 et 0.3. Alors ça, c'est bizarre. Ah oui, si, direction 02. Vaisseau 02. Kerbal, il n'y a rien. Jeu, il n'y a rien. Disposition, il n'y a rien. Ok. Accepté. On va retourner dans la partie. On va tester. Charger. Je regarde mes notifs un peu vite fait, s'il y en a qui ont partagé mon lien. A priori non, on n'est pas très nombreux. Bon, en même temps, pour l'instant, je reprends à me servir des fonctions que je ne connais pas. Dakitest, c'est mieux. Dakitest, t'es pas dans t'es pas sur le live là? Une erreur est. Oh là! Une erreur est survenue sur mon Twitch là, mon retour. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que c'est toujours en erreur ou pas? Non, c'est bon. C'est le machin qui délire un peu. Ouais, si, c'est bon. Il y a bien le retour vidéo. C'est bon. J'ai eu peur. Bref, donc, on va rouvrir mon bazar. Drone test. Alors. Donc moi ce que je veux c'est que ce bazar il démarre à fond. Par contre ce que je veux c'est les pales. Je veux régler la portance avec les pales. Parce qu'en fait c'est. En fait, ce qui est intéressant avec un hélico, c'est un drone, c'est gérer. On est à vitesse constante sur la motorisation et on règle l'inclinaison des pales pour limiter la
la portance, plus ou moins. Ajouter des points, supprimer des points, limiter, tangente, pointu, lisse, vers le haut, capter valeur de ligne, appliquer courbe. Groupe d'action, angle de déploiement. Oui, je peux étendre et déployer, mais ça me sert à quoi? Ça m'a effacé le nom hélice. Angle de déploiement. Bon, là j'ai l'angle, je peux faire varier l'angle en faisant une courbe, hein, donc ça va être ok. Je ne sais pas ce que c'est cet angle de déploiement, ça n'a pas l'air très efficace. Bon. Étendre, rétracter. Lame de turbine soufflante, limiteur d'autorité, action, changer, activer, désactiver, angle de déploiement. Pourtant c'est bien l'angle de déploiement qu'il devrait y avoir dans le... Ça change pas grand chose. Conserver la position des points. Ah... Ouais. Angle de déploiement. Sens horaire anti-horaire, bon, ça pourquoi pas. Et B, c'est bien parti là. Ce live va être absolument fantastique. J'aurais pas réussi à faire marcher une hélice. Pas mal, c'est pas mal là. Attends, c'est quoi ça? La vitesse en pourcent à laquelle elle se déroulera. Bon, d'accord. C'est sur l'horizon tangent ou pas. Ok. Par contre, ça fait rien du tout. Donc, ça doit pas être ça. Étendre. Étendre. Je peux pas changer le point là-dessus. Là. Manifestement, c'est pas ça. Étendre. Pourtant ça doit bien être le angle de déploiement qu'on doit régler là-dessus là. Ah. Au début je partirais de 0. Alors, on va
refaire. On va refaire. Angle de déploiement. Et à la fin, moi ce que je veux, c'est qu'il soit en haut, comme ça. Voilà, comme ça, avec ça, je règle la portance de, sur mon truc. Ça a l'air tellement galère. Ah, en fait, ouais, c'est le mode Breaking Ground expansion là. Et en fait, j'ai quasiment jamais joué avec. Donc, je découvre totalement le truc là. Je suis en mode débutant là-dessus. Autant les fusées, les machins, tout ce qui pousse du carburant au cul, ça va, il n'y a pas de problème. Là, par contre, je suis totalement à la rue. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment commander ça. Je vois que je peux faire varier le pas de mon hélice. Ça, c'est... Ouais, ok. C'est pas mal. Mais ce que j'aimerais, c'est le faire régler le pas avec le... Et là, donc, j'ai même pas cherché sur Google comment ça marche. Hein. J'ai vraiment démarré la partie en mode... En mode comme ça, en vrac, hein. Donc je pense que c'est sûr, même en plus je vais arrêter d'ici 10 minutes parce qu'il y a Robin Isnard qui fait son live à partir de 18h hein, normalement, et je vais y aller, mais là je sais même pas comment on fait voler ce bazar hein. Champ d'axe. Ça, c'est la durée d'exécution du bazar. Groupe d'action. Contrôleur. Ça, c'est. Oui, d'accord, mais. Comment je peux lui affecter une touche? Il doit bien avoir des tutos. Qui... Oui, ça, c'est sûr, hein, mais là, j'ai vraiment démarré le truc en mode. En mode YOLO total. Hein. Des hélicoptères, des trucs, mais bon, voilà, je suis en débutant total là-dessus. Alors si je fais manœuvrer la manette des gaz, donc là, bon, ok, la manette des gaz refonctionne. Là, c'est, je suis dans le bon sens. Tangage, je suis dans le bon sens. Roulis, je suis dans le bon sens. Ok. Je pense qu'il va falloir quelques lives avant que j'arrive à faire marcher les hélices. Rien que faire marcher les hélices, déjà, ça va être quelque chose. Alors, contrôleur. Est-ce que dans touche d'action, je vais pas contrôleur machin? Ah, je peux peut-être activer un truc. Lame de turbine soufflante. Activer la lecture. Lecture avancée. Non, pas en étage, on le met en 1. Lecture avancée. Et en 2, on va mettre lecture reculée, par exemple. On dirait pas que j'ai 3000 heures de jeu sur ce jeu hein, là. Parce que là. Donc
là je fais 1, ça fait rien. Ah si, je crois que les pales étaient... bougent les pales. Non. J'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit en fait. Parce que je peux m'amuser avec ça, mais bon, c'est... relancer le vol, revenir au HAS. Alors. Manifestement, ça ne marche pas. Custom 1. Lecture avancée. Là, je suis censé commencer comme ça et finir comme ça. En 5 secondes. Custom 1, lecture avancée. Si je fais 1, ça doit faire lecture avancée. Et 2, lecture reculée. Donc ça devrait bien bouger mes pales si je fais démarrer le bazar. Bon, ensuite, on va essayer en 3, on va essayer de faire démarrer, activer la puissance. On va mettre une vitesse de rotation plus léger pour lancer. Alors, si je fais 1 2, il s'en fout, mais royalement. En fait, il s'en balance, mais complet le truc. Ah, je crois que j'ai juste changé le sens de lecture. D'accord. Ça m'inverse le sens de... Ok. Par contre, j'aurais voulu, c'est pour l'assigner au... Là, il démarre le moteur. Mais j'ai pas l'impression d'avoir d'asservissement à la manette des gaz. J'ai l'impression que quel que soit le réglage que je mets, il tourne à fond. Hein, bazar. Donc certes, j'arrive à faire tourner le moteur. J'arrive à orienter les pales, mais pas avec le... pas de façon analogique, du tout ou rien, quoi. Le machin, soit je le... Il y a les pales, soit je les mets à la verticale, soit je les mets à l'horizontale, mais... Je peux pas mettre entre les deux, je peux pas les régler, et ça, pour l'instant, je sais pas comment je... comment faire. Ok, j'ai démarré le moteur, là je l'arrête. Bon, et ben 17h54, je vais arrêter le live, donc je n'ai pour ainsi dire rien fait. Mais bon, faut bien commencer par quelque part, hein, donc voilà.
Et ben la prochaine fois, j'essaierai à nouveau de faire de contrôler un rotor. Donc ben, merci d'avoir suivi et ben, à la prochaine. Et comme je vais aller chez Robin Isnar pour voir son live, je vais tenter de faire un raid vers lui. Et on va voir si ça fonctionne. Hop. Retour. Quitter le jeu. Allez hop, donc là normalement il va afficher la fenêtre, voilà. Et donc direction chez tout ce qu'on prend. A priori il est déjà en ligne. Et donc merci d'avoir suivi ce live inintéressant de KSP. J'espère que le prochain sera un poil plus intéressant. A bientôt!